Tengo frío. Torpedo burrito, me gusta. Torpedo burrito, me gusta. Torpedo burrito, me gusta. Torpedo burrito, me gusta. Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Le premier tome de la série de romans Drifter a été publié aux éditions Empire Loisirs. Il retrace l'aventure de l'équipage du Harlequin et de la découverte d'un mystérieux colis qui pourrait sceller leur destin. Cette semaine a eu lieu la préouverture des modules cargo. Des transporteurs triés sur le volet ont pu commencer à utiliser les infrastructures à des fins de test avant leur ouverture officielle. Jeudi, nous avons eu droit à un aperçu de l'intérieur du Mercury qui arrive prochainement, mais dont nous ne connaissons pas encore la date exacte de mise sur le marché. Comme annoncé il y a quelques mois, la prison Clacher a fait des modifications à l'intérieur du pénitencier pour améliorer les conditions de détention des prisonniers et a renforcé sa sécurité pour éviter toute évasion. Un juriste a réussi à convaincre la Cour suprême impériale que la désactivation automatique des armes autour des zones d'influence, comme les rest-stops, allait à l'encontre du premier amendement. La Cour a donc ordonné que soient désactivés tous les systèmes automatisés. Il sera donc du devoir de ces structures d'assurer la sécurité par d'autres moyens qu'ils seront libres de choisir. Faire feu dans les dites zones relève toujours du crime. La sécurité aura donc le droit de faire feu en retour. Vendredi, un ingénieur indépendant, que nous appellerons JC, a laissé échapper quelques indiscrétions à propos de plusieurs constructeurs. Nous apprenons par exemple que tous les constructeurs sont en train de développer des interfaces personnalisées et n'utiliseront plus l'interface officielle de l'Empire. Nous ne savons pas si cela est dû à un assouplissement des normes IGP-34 ou s'il s'agit d'une entorse aux règles. Le nouveau système de bouclier qui était censé révolutionner le milieu du combat n'est finalement jamais arrivé, mais JC nous assure qu'elle est activement développée et qu'il ne reste que quelques détails visuels à régler. La technologie de docking, quant à elle, a été brevetée et ne devrait plus tarder à entrer en service, même si aucune solution n'a été trouvée pour l'instant concernant l'amarrage entre vaisseaux. Concernant le ULC, il semblerait que Misk ait des problèmes d'étanchéité de certaines zones, qui doivent être réglées avant que le vaisseau ne puisse prendre son envol. Et pour finir, des nouvelles d'un vaisseau que plus personne n'attendait, le Redeemer. En effet, plusieurs acheteurs avaient déjà porté plainte et Guy s'était même soupçonné de fraude. Mais notre source nous affirme qu'il a passé la phase de pré-production et a été entièrement repensé. Mais nous n'avons malheureusement aucune date à vous fournir. Pour finir cette édition, le gouvernement a décidé d'offrir un uniforme aux soldats ayant accompli des hauts faits ces dernières années. RSI a été désigné comme distributeur du dit uniforme. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Comme à l'accoutumée, il y aura un petit hiatus de 3 semaines avant la prochaine édition de Galactic News. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.